c'est une maison qui a commencé à vivre à l'époque hellénistique, donc depuis les Grecs. Hein. En faisant un petit sondage, j'avais trouvé donc un trésor romain, vous avez peut-être entendu parler, hein, où il y avait 303 deniers d'argent du 1er et 2e siècle. Le jardin, la maison, les vestiges archéologiques, tout vient d'être classé monument historique. Donc cette année, on n'a pas trop eu le temps de travailler, mais on a voulu vous raconter une belle histoire qui se passe en 1858 dans les Vosges. C'est l'histoire de la boule de Noël. Hein. Donc c'est l'histoire d'un verrier dans le nord des Vosges qui a inventé ça, et son invention est devenue universelle, puisque maintenant les boules de Noël se fabriquent dans le monde entier. Une entreprise, grâce au Conseil Général de Moselle, vient de réouvrir. Il recrée les boules exactement avec le même savoir-faire que depuis le 19e siècle. Donc vous verrez des boules anciennes, certaines depuis la deuxième moitié du 19e siècle, et vous verrez ce qu'on fait aujourd'hui. Donc vous verrez pratiquement toutes les boules de Noël qui ont été créées depuis 10 ans, et la création de cette année. Voilà. Bienvenue dans l'exposition sur la boule de Noël. Donc dans cette salle, on vous présente en fait plusieurs sortes de boules de Noël. Donc il y a des boules de Noël anciennes que vous avez sur le plafond. Et donc après, vous avez des boules de Noël contemporaines. Bon, je reviendrai un peu plus tard. Donc la boule de Noël a été créée au nord-est de la France. Vraiment sur la frontière de l'Allemagne, c'est dans les Vosges, entre Nancy et Strasbourg. Donc dans un petit village qui s'appelait Gotzenbruck. Donc vraiment, c'était au milieu de la forêt, perdue, enfin bon. Donc elle est apparue en 1858, à la suite d'une grande sécheresse qu'il y avait eu cette année-là. Donc à l'époque, vous savez, on avait un sapin dans sa maison, comme d'habitude, sauf qu'on ne mettait pas des boules de Noël à l'époque, on mettait des fruits, donc des pommes ou des petits raisins, vraiment pour le décorer. Donc comme il y a eu une grande sécheresse, il n'y avait pas assez de fruits à mettre sur un sapin. Donc il a eu l'idée de souffler lui-même ses propres fruits. Donc c'était par exemple des poires comme ça, ou sinon des petites grappes de raisins ou des pommes, comme une ou une ici. Voilà. Donc pour décorer son arbre, mais aussi l'idée de forme de la boule qui s'était inspirée de ces objets que vous avez devant la fenêtre. Il y a eu l'hécatombe dans les années 50, ça a été l'apparition de la boule de Noël en plastique. Donc le plastique ne cassait pas, moins cher à fabriquer, c'était le même prix pour celui qui l'achetait, ça durait plus longtemps, enfin bref. La boule de Noël en verre soufflé petit à petit a totalement disparu, alors sinon les centres verriers qui les fabriquaient se sont mis à fabriquer à leur tour des boules de Noël en plastique. Donc là maintenant on va commencer à parler des boules de Noël que vous avez sur cet arbre un peu particulier. C'est un centre d'art verrier qui s'appelait Meisenthal. Donc ce centre d'art verrier avait ouvert au début du XXe siècle et avait fermé dans les années 50, comme tant d'autres centres verriers à l'époque. Mais il a réouvert en 1998, mais en réouvrant, ils avaient réutilisé donc, toutes les techniques anciennes donc de verre soufflé. Donc au départ, ils avaient utilisé les formes traditionnelles des boules rondes ou les pommes, les mini-grappes de raisin, les pommes de pin, donc vraiment la boule de Noël normale. Mais dès la seconde année, en 1999, ils voulaient redynamiser la boule de Noël, lui donner une autre forme. Donc ils voulaient travailler bien sûr avec des artistes contemporains. D'année en année, c'est toujours un peu l'événement à Meisenthal. Il y a toujours la nouvelle boule de Noël en verre. Avec ses nouvelles formes, faites par un artiste contemporain. Donc, par exemple, cette année, c'était le cumulus, donc tous les petits nuages qu'il y a au sommet de l'arbre, d'autres formes, si vous inspirez des formes qui existent déjà. Là, après, vous êtes toujours un petit clin d'œil au passé. Là, en fait, vous avez le trognon de pomme complètement rangé, référence à la pomme d'abord. Donc, après, dans l'épicéa qui est juste derrière vous. On ne peut pas vous dire exactement l'histoire de ces objets. Donc nous, on a essayé de récolter, de faire seulement une récolte. Hein. Donc après, avec Régis Bertrand, on fera peut-être une petite historique plus précise de chaque objet. Et les objets sont toujours très difficiles à dater. Vous pouvez avoir un moule. Donc vous verrez par exemple des sujets que vous reconnaîtrez qui sont issus du même moule. Mais le moule peut dater du 18e, mais l'objet peut avoir été créé au 19e.
De même, vous pouvez avoir un santon qui a été créé au 18e, mais comme la mode change, ou que les habits s'usent, on change les habits. Donc vous allez trouver un santon habillé en 1850, alors que l'objet a été créé en 1770. Voilà. Les créations de Noël provençaux, telles qu'on les connaît aujourd'hui, se créent vraiment qu'au XXe siècle. Hein. Si vous lisez Mistral, vous verrez peu de choses sur Noël. Il ne vous parlera pas des santons parce que c'est marseillais, et quand il vous parlera de santons, il vous parlera de petits sujets qu'on mettait dans des reliquaires. Vous voyez par exemple sur la cheminée en face une petite boîte du XVIIIe siècle avec dedans une petite statuette de la Vierge. Ça, c'est un santon, au sens étymologique du terme, c'est un petit saint.